Showtime. Yo les potes, c'est Zeki, on se retrouve pour une petite vidéo sur Fortnite. Et oui, c'est une vidéo défi. Comme chaque semaine, je le fais tout le temps. Donc là, on est à la semaine 9. On va parler un peu du défi. Mais d'abord, j'espère que vous êtes abonnés, parce que chaque semaine, comme je viens de vous dire, je sors une vidéo. Et j'en sors aussi régulièrement sur Fortnite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant en temps et en heure quand je sors une vidéo, les frérots. Et sur ce, on va passer au sujet de la vidéo. Le défi pour lequel je vais vous aider, c'est infliger des dégâts aux structures adverses avec de la dynamite. Donc voilà, le défi en lui-même n'est pas si difficile. Je sais pas si vous avez suivi, mais la dynamite, c'est le tout nouvel item qui va sortir dans le jeu. C'est c'est un peu plus puissant que du C4. Et faut faire attention par contre, parce que vous ne savez pas la déclencher la dynamite. Une fois que vous l'avez posée au sol, eh bien il y a un certain temps avant qu'elle explose. Et donc il faut faire attention, il faut se reculer, parce que ça fait énormément de dégâts, les gars. La rareté est verte, donc je pense que l'item en lui-même vous le trouverez assez facilement dans le jeu. Mais moi je vais vous aider à le trouver encore plus facilement, vous proposer une petite astuce. Et l'astuce est très simple, les gars. Lorsque vous êtes dans le menu de Fortnite, vous allez lancer un mode de jeu bien particulier. C'est le mode Far West qui vient de sortir. Je vous décris un peu le mode. En gros, vous avez que des fusils à pompe, des pistolets, les pistolets de cowboy, là je sais pas comment ils s'appellent, les 6 coups, voilà. Et la dynamite justement, donc il y a vraiment très très peu d'items, forcément vous trouverez beaucoup plus facilement de la dynamite. D'ailleurs, un coffre sur deux limites, c'est de la dynamite. Donc voilà, vous allez dans ce mode de jeu, et en plus, c'est beaucoup plus dur de tuer des adversaires avec des pistolets, etc. Donc les gens qui vont vous voir en face de vous, ils vont peut-être construire et ils vont peut-être pas réussir à vous tuer pendant que vous placez votre dynamite. Voilà, tout simplement en dessous de leur construction. Comme vous le voyez, je vous montre comment faire dans cette vidéo. Donc voilà, c'est très simple, vous posez la dynamite entre deux construits et ça va tout péter. Ça va être énorme, un gros gros boom qui va se faire. Et le défi sera très très simple à faire. J'espère en tout cas vous avoir aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je vous ai aidé ou non. En tout cas, si c'est le cas, j'espère que vous avez pensé à mettre le petit like. Et surtout, si vous voulez revenir à jour, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis ciao tout le monde.